Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. C'est vrai, l'enseignement que le pasteur nous a donné, c'est un enseignement très puissant. Amen. Mon frère, ma soeur, toi qui es si présent, amen, tu peux être serviteur et servant de Dieu. Amen. Oui, on dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu. Au nom de Jésus. C'est un message qui nous a passé. Donc si vous voulez être les responsables de l'église, revoyez votre vie. Revoyez votre vie. L'église, c'est tout le monde. Nous sommes tous l'église. Donc c'est le corps du Christ. Donc vous êtes aptes à être membre et le corps du Christ en même temps. Moi, je veux dire, suivre Jésus, ce n'est pas facile. Ah oui, je vous dis en même temps. Je vous dis en même temps, ce n'est pas facile. C'est beaucoup de difficultés. Tu portes ta croix et tu suis. Oui, c'est ça, être ouvrier de Dieu. Voilà. Avant de passer la parole au prophète Joël Crasso, à notre papa, je vais lancer un cri de guerre qu'il a toujours prononcé et nous allons continuer. On s'élève tous. Yeah, 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 yeah! Yeah! L'esprit de Jésus-Christ de prendre possession de ce lieu. Amen. Que ce soit lui qui soit présent et qui nous entoure. Amen. Et qui nous protège tout un chacun. Amen. Nous appelons Jésus-Christ ici présent. Amen. Afin que toutes les personnes qui sont venues charger, quand elles sortiront d'ici, soient déchargées. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Sois béni, papa. Alléluia. Merci, nous te rendons, veuillez vous asseoir. Nous te rendons toute la gloire, nous voulons te célébrer parce que tu es notre Dieu, tu es digne de recevoir l'adoration et l'honneur. Toi qui nous fais cette grâce d'être dans ta présence, que ton nom soit béni. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. À toi seul la gloire, au nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Amen. Pourquoi amen à ce point? Amen. Persévérant son message. Mon grand, là, tu n'as plus l'héritage. Au moins, parti, hein. Amen. Amen. Au moins, parti, c'est important. Bon, hein. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Soyez fortifiés dans le nom de Jésus. Je vous salue tous. Dans le nom précieux de Jésus. Ce n'est pas parce qu'il y a forcément deux messages. Mais c'est important de recevoir ces plusieurs messages par la grâce de Dieu. C'est juste une petite exhortation pour nous faire du bien. Amen. Amen. Nous sommes l'église Pentecôte authentique, l'église Pentecôte de Paris. Amen. Amen. Voilà, nous avons nos cultes tous les vendredis soirs. À 20h. À 20h. Et tous les dimanches. À 15h. 15h à 18h. Ben à 18h. Amen. Amen. Non, 18h, le temps de 18h, c'est bon. Et comme la propriétaire de la salle dit que les Africains disent, ils ont le temps, ils n'ont pas l'heure. Et ça, c'est vrai. Nous, j'ai le temps, maintenant, là, c'est pour nous. L'heure, on n'est pas dedans. Amen. Voilà donc que Dieu Seigneur vous bénisse. Je suis très heureux de prendre le micro, très heureux d'être avec vous, très heureux de partager la parole de Dieu avec vous. Amen. Parce que pour moi, c'est une grâce, un privilège. C'est pas facile, hein. Mais c'est une grâce plutôt, un privilège de prendre le micro et de parler de la part de Dieu. Amen. On n'est pas homme de Dieu. Peut-être dans notre destinée, bien sûr. Mais Dieu nous fait la grâce d'être serviteur de Dieu. Amen. Et c'est pas plus grâce que nous le servons. Amen. Voilà, c'est pas plus grâce que nous le servons. Il y a eu un moment d'absence ou un retrait spirituel. Juste se retirer pour aller chercher la face de Dieu. Parce que c'est vraiment important. Par moment, il faut prier. Voilà, il faut prier, il faut repartir dans la présence de Dieu. Et poser beaucoup de questions à Dieu par rapport à sa propre vie et par rapport à sa destinée. Vous savez, j'ai toujours dit, la dernière fois, je vous ai exhorté sur la destinée. La destinée, c'est quoi? Ça veut dire que tu pars d'un bout et tu pars à un autre bout. Amen. Alors, sur le chemin de la destinée, et c'est ce qu'on appelle le destin. Sur le chemin de la destinée, qu'on appelle le destin nous fait rencontrer des difficultés.
Et les difficultés ne veulent pas dire qu'on n'est pas sur le chemin de la destinée. Est-ce qu'on me saisit un peu? Les gens, souvent, quand ils sont dans les difficultés, ils pensent qu'ils ont échoué. Les gens pensent qu'ils ont des difficultés, c'est une fuite en soi. Les gens pensent que quand ils ont échoué, quand ils ont des difficultés, c'est parce que Dieu les a abandonnés. Non! Rien de tout ça. Vous savez, en Égypte, quand le peuple d'Israël est en Égypte, qui était leur destinée, ils sont devenus esclaves. Ils étaient esclaves. Mais dans le système de l'esclavage, ils ont appris. Dis amen. Amen. Vous savez, quand une difficulté t'est imposée, il y a une leçon qui sort dedans. Amen. Il y a des situations, tu n'as pas besoin qu'on te donne conseil. Toi-même, tu sors avec des conseils. Amen. Et quand tu sors, tu dis, j'ai compris. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de dire, tu as compris. Alors, quand Dieu, son peuple et lui, à partir d'Abraham, Dieu choisit un peuple. Dieu n'est pas idiot, excusez-moi pour l'expression, il n'est pas aussi bête. Comment il peut choisir un peuple? Et ce peuple-là va se retrouver en Égypte et pendant 400 ans est esclave. Mais quand vous regardez dans l'histoire de la civilisation ancienne, la grande plateforme de la civilisation, c'était l'Égypte. Alors l'Égypte, c'est en Égypte qu'on trouvait les ingénieurs. D'ailleurs, l'écriture est liée à l'Égypte. Gloire soit rendue à Dieu. Nous, les Africains, nous ne devons pas être, nous ne devons pas nous sous-estimer. Amen. Dis amen. Amen. Je suis pas même pour ça. Amen. Non, on ne doit pas sous-estimer, même qu'on est un blanc, c'est un blanc. C'est du moins la vie des écritures. Dis amen. C'est quoi, c'est un blanc? On est ensemble ici. C'est pas parce qu'il est blanc, c'est la peau initiale. Sinon, il est intelligent, c'est intelligent. Amen. Il sait mon couleur de ma tête, j'ai fait. Amen. 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 Alors, pour que Dieu puisse instruire son peuple, pour que Dieu puisse apprendre beaucoup de choses dans son peuple, Dieu crée une situation d'esclavage. Alors, l'élève devient plus puissant que le maître. Vous savez, celui qui apprend veut être plus puissant que son maître. Alors, l'esclavage en Égypte a porté. À un moment donné, Dieu dit, c'est bon. Alors, Dieu va susciter Moïse pour lui dire, il est temps que le peuple parte m'adorer, parce que j'ai attendu son cri. Amen. Alors, quand le peuple part, ils sont partis avec de l'Égypte, tout ce qu'ils avaient. Ne pensez pas que la situation que vous vivez est une malédiction. Une situation peut se créer. Et dans la situation, qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que t'apporte? Alors Dieu fait sortir le peuple. Ils sont confrontés encore à une autre situation, la plus difficile. La mer rouge. Le peuple est égyptien derrière. Vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais vous voir aller dans votre destinée. Vous comprenez? Il y a des gens, leur souhait, c'est que vous ne rentrez pas dans votre destinée. Sur ce qu'à un moment donné de la destinée, n'écoutez pas les gens. Dis à quelqu'un, n'écoute pas les gens. Ce qui doit t'intéresser, c'est là où je m'en vais. Et la question, tu te poses la question, est-ce que Dieu est avec moi? C'est ça le point d'interrogation. Amen. Si Dieu n'est pas avec toi, va le chercher. Alors si Dieu est avec toi, n'écoute pas ce que les gens disent. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont forcément t'empêcher de rentrer. Et chercher, tu es déjà figé. Hein? Et ils ne veulent pas que tu avances. Hein? Et ils ne veulent pas que tu réussisses. Hein? Donc, dans la destinée, n'écoute pas les gens. Amen. Dans la destinée, le regard des gens ne doit pas t'intéresser. Amen. Les gens, ils vivent selon les regards des gens. Si vous voulez vivre selon les regards des gens, vous êtes mort. Amen. J'ai toujours dit aux gens, celui qui pleure aujourd'hui peut rire demain. C'est ça. Comme celui qui rit aujourd'hui peut pleurer demain. On ne sait jamais de l'avenir. C'est pour ça que quand quelqu'un est en difficulté, il faut l'aider. Parce qu'on ne sait jamais. Parce que tout ce que tu sèmes, tu récoltes ça demain. Tout ce qu'un homme sème, que ça soit en bien, que ça soit en mal, il le paie. Si ce n'est pas lui, ce sont ses enfants. Amen. Si ce n'est pas lui, ce sont ses enfants. C'est pour ça que Dieu aide notre cœur et que Dieu nous amène toujours à faire du bien. Amen. Dans la destinée, dans le chemin de la destinée qu'on appelle le destin, il y a des embûches. Forcément, tu vas rencontrer des difficultés. Sur le chemin de la destinée de Joseph, Joseph va rencontrer la prison.
sur le chemin de la destinée de Joseph, où il a vu une étoile, on va le jeter dans un puits. Amen. Sur le chemin de la destinée de Joseph, le destin, il a été vendu par ses frères. Amen. Sur le chemin de la destinée de Joseph, pensant faire du bien parce qu'il était beau du visage, la femme de son patron, comme son patron est trop absent, c'est pas trop bon d'être trop absent sur les autres, à la maison. Elle a confondu Potiphar, Joseph. Elle dit, mais aujourd'hui, vous savez, quand une femme veut t'avoir, c'est le jeu de gagner, il faut lui pas, bon, tu as gagné. Il ne faut pas dire, tu ne peux pas. Si la femme veut te détruire, c'est sur la grâce de Dieu. Elle a calculé, elle dit, viens mettre pour moi dans mon dos. Ah, comment on peut mettre pour moi dans mon dos? J'en ai parti de la femme qu'un homme voit. Il n'a qu'à avoir l'onction de Dieu, le but terrible. Mais son esprit va vider. Amen. 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 Donc Joseph refuse de mettre le ben, de carité dans le dos. Parce qu'il sait que s'il est inséré, le dos, c'est jamais. En mettant le doigt, ça peut être une autre chose. Il ne faut pas tenter souvent de cet esprit. Mais il avait l'esprit de Dieu. Il a fui. Mais il y avait des preuves. Elle a attrapé le vêtement de Jésus. C'est ce qu'on appelle les fausses preuves. Elle avait des preuves. Papa, pour dire voici les preuves. Mais ce n'était pas vrai. C'était son tunique, c'est la tunique de Joseph. C'est les fausses preuves. Il y a des gens qui vont venir vous accuser à tort à travers, par rapport à certaines choses concernant votre destinée. Mon frère, ça peut être vrai, ça peut être faux, des fausses preuves. Pour qu'il y ait moins de bloquer. Et il s'est posé là, où était Dieu? La question est posée. Où était Dieu quand Dieu le regardait? Il s'est retrouvé où? Dans l'humiliation la plus totale. Mais c'est là que Dieu l'a aimé. Amen. Son chemin de la destinée. Dieu peut créer des choses. Et il sera la vision. Le seul problème, est-ce que réellement Dieu est dans ce que je fais? Sinon, va le prier. Et quand tu pries Dieu, tu es serein. Peu importe ce qui va t'arriver. C'est pour ça que quand vous gardez votre sérénité devant Dieu, c'est beaucoup très important. Amen. Dans la destinée. Alors il va se retrouver. Quand ses frères l'ont retrouvé après, j'ai mis la déclaration de Joseph. Il dit, vous m'avez fait du bien. Et j'avais peur. Mais il aurait dit. Sinon, il gardait la nuit, il a compris. C'est un homme spirituel. Alors, soyons spirituels dans tout ce que nous posons comme acte. Comprenons que tout ce qui nous arrive derrière ça, quelle est la leçon que Dieu nous donne? Quel est le message que Dieu a vécu? Et quand un message est vécu par Dieu, on est tranquille. Ils l'ont aidé dans sa destinée. Mais dans la destinée, ne regardez pas le regard des gens. Amen. Ne vous focalisez pas sur ce que les gens diront. Sinon, vous en déjà, pour eux, c'est fini. Ils vous ont déjà éliminé. Pour eux, mais ils ne sont pas Dieu. Vous comprenez? Ils ne sont pas Dieu pour décider de votre sort. Personne ne peut décider de ton sort. Personne ne peut dire, je vais te détruire. Pourtant, il va dormir. Il ne sait pas comment il se réveille. Quand il dort, il ne sait pas comment il se réveille. Pour lui dire qu'il a l'ennemi. Et quand tu prononces destruction, je vais te détruire, c'est pour dire, ce sont des énergies qui te dégagent, qui seront fatales demain. C'est pour ça qu'il faut bénir. Le Seigneur nous bénissait. Le Seigneur lui fait du bien. Parce que plus tu parles, qu'il y a le négatif, mais c'est le négatif qui va t'affecter tout le temps. Amen. Et les gens sont dans les églises, sont étonnés qu'ils ne prospèrent pas. Parce qu'ils sont négatifs. Moi, j'ai compris beaucoup de choses. J'évite d'être négatif. Celui qui m'insiste, je peux même le saluer. Parce que je n'ai pas à faire un. Ça fait partie de ma destinée. Ça fait partie de ma destinée. Alors dans la destinée, c'est pas parce que j'ai toujours dit, tout n'est pas rose. Je faisais une réunion avec les responsables de l'équipe. J'ai dit, depuis avoir des moments bas et haut, qu'est-ce qu'on apprend quand on est dans la vallée? Parce que dans la vallée, c'est ce qu'on appelle la vallée. La vallée, c'est ce qui entre la montagne et ce qui est dans le bas, ce qu'on appelle la vallée. Pour accéder à la montagne. Que le symbole de gloire, il y a une vallée. Et cette vallée, ce n'est pas forcément bien. Il y a tellement de choses dedans. On a vu dans la prophétie d'Ézéchiel, et on a vu que les gens sont morts dans la vallée. Il y a eu des ossements desséchés dans la vallée. Dans la vallée, il peut y avoir des ossements desséchés. Les gens qui ne peuvent pas cette force. Il y a beaucoup qui ne peuvent pas monter. Parce que par moments, ils se sentent épuisés. Ils comptent sur leur propre force. Par moments, ils se disent le regard des gens. Il y a des gens qui vivent en fonction du regard des gens. C'est très dangereux. Il y a des gens qui vivent en fonction des regards. Frère, tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui permet ça souvent. Amen. Amen.
Amen. C'est Dieu qui permet. Il y a des situations. Je parlais là, je parlais du cas de Anne. Anne, elle était la plus aimée de Elkana, son mari. Il y avait Pélina, sa rivale. Mais elle était aimée, elle avait tout ce qu'elle voulait. Ils ont commencé à la persécuter. Pélina la persécute, stérile, elle est sûre. C'est à cause de Pélina que Anne a eu sa mère. Vous savez, quand les gens commencent à vous persécuter, quand ils commencent à s'acharner sur vous, ils sont en train de vous rentrer dans une autre dimension. Amen. Celui qui n'est jamais persécuté ne peut pas chercher Dieu. Non, si tout est bon, on mange, on dort, on boit, on mange, souvent on grossit trop, et puis souvent on fait, on a l'impression qu'on a trop de poids et tout ça. Mais quand tu commences à être persécuté, tu vas faire comme moi, tu vas aller dans le désert, ton mal va se casser. Alléluia! Alléluia! Et tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu vas comprendre qu'il faut parler un moment avec Dieu. Tu vas comprendre qu'il faut discuter par moment avec Dieu. Et ça, c'est beaucoup très important. Par moment, il y a des choses qui nous arrivent, on pense, ah non, Dieu t'a abandonné. Dieu n'abandonne pas. Dieu crée une situation, c'est tout. Et quand Dieu crée la situation, il parle après avec la personne. Alors Dieu était où? On pourrait dire Dieu a abandonné Joseph dans ces moments difficiles. Mais non, Dieu est avec lui. La personne qui est dans la prison s'est révélée à lui. Joseph était le meilleur explicateur de songe. Vous voyez, donc Dieu crée une situation. Quand Dieu nous appelle, ce n'est pas pour nous abandonner. Quand Dieu nous appelle, ce n'est pas pour nous abandonner. Donc il crée une situation. Il peut créer une situation juste parce qu'il veut te donner un message. Amen. Si l'homme devient spirituel, on n'aura pas d'ennemi. J'ai compris. Les plus grandes personnes qui ont des personnalités, quand ils sortent peut-être de la prison ou même dans le monde le plus difficile, ils font la paix avec tout le monde. Parce qu'ils ont compris. On a vu Mandela sortir de la prison. Il ne s'est pas vengé, il était l'homme le plus sage. Il y a des situations, frère. Quand Dieu veut te bénir, il te fait traverser les moments. Et ces moments que Dieu te fait traverser sont des messages. Qu'est-ce que tu en dis comme leçon? Ah, c'est plein. T'as plein de Ferrari devant Dieu, pourvu que la leçon passe. Quand Dieu voulait bénir Moïse, de Moïse, il a senti la peine. Okay. Moïse, il n'y a pas quelqu'un qui était mieux nourri que Moïse. C'était la grande place de la civilisation. Il devait être le futur pharaon. Donc il était bien nourri. Il avait reçu toute son éducation. Alors Dieu le fait sortir de là, 40 ans. Il le jette dans le désert. Vous savez ce qu'on appelle désert? Amen. Nous, on va petit canicule, on crie. Moi-même, ça m'a vaincu. La dernière fois, quand il me dit, mais c'est quel soleil ça? Seigneur. Puis j'ai dit, bon, c'est comme ça. C'est quel soleil ça? 45. Ton cerveau, la même vie, ça ne bouge plus. C'est-à-dire que ton cerveau est stationné. Tu réfléchis jusqu'à. Puis c'est bloqué. Tu vas prendre froid, tu mets sur ton lit, on ne met pas au froid, il dit moi, ça te craque les yeux. C'est quel soleil ça? Soleil, quand on voit ta vie là, il y a son grand frère dans le désert. Amen. Il y a grand frère de ta vie dans le désert. Il n'est pas maison dans le désert. Il quitte le palais, il quitte les Élysées, où il y a caviar, il y a tout. Il y a Choubouya, il y a Pala, il y a Tikliti, il y a toutes les choses. Ndolé, il y a tout. Il va. Il a sauterait. Comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste mangeait, sauterait dans le désert. Il y a miel. Il a fait comment? Il n'a pas le temps de faire des criades. Mais il a pris dans le désert. Quand on regarde après Moïse, on est vu l'homme le plus patient de la terre. Frère, il y a une école des hommes. Et puis il y a une école de Dieu. Quand Dieu te met dans son école, quand tu reviens, tu deviens sage. Amen. Quand tu dis bonjour, c'est. On s'est fait le monsieur là. Son bonjour là. C'est beaucoup de bonjour. C'est-à-dire, toi-même, tu as compris. Quand Moïse, après 40 ans, Dieu se révèle à Moïse, Dieu dit à Moïse, viens me servir, dis-nous, c'est bon, je te servais plus. C'est bon. Dieu l'avait déjà brisé. Donc il y a une école de Dieu. Dieu crée des situations pour nous amener. C'est à cause des difficultés, on vient à Jésus. N'est-ce pas? Amen. Sinon, il y a les Koutoukou. Il y a les Kendjous, tout ça. Il y a les Belais. C'est la liqueur chez nous. On appelle Belais. La liqueur fort bizarre. On appelle Belais. Il y a les Roms, sinon, on se soulève. Il y a toutes sortes de trucs. Il y
Mais ça cause du problème. Quand ce sorcier vient, il débite la nuit 5 fois. Tu cherches l'adresse. Tu dis, mais j'ai un message sur YouTube. Aujourd'hui, je n'ai pas bien dormi. J'ai vu, j'étais dans 5 heures. Puis tu fais comme ça 5 fois. T'as cherché l'église. C'est pas ça? Tu vas dire, non, lui, il mange bien. Il a tout l'argent. Puis tu dis, il est venu à l'église comme ça. Qui? Jésus, là, c'est ton camarade. C'est un problème que nous avons dans le Seigneur. Donc souvent Dieu fait les choses. Non, il était malade. Oui, parce qu'il sait que ce n'est pas la maladie qui t'a attrapé. Sinon, toi, il ne peut pas t'attraper. Toi, il va t'attraper comme ça. Pour être dormi malgré tout, t'as laissé ça. Où t'as laissé tes balles. Ces maladies, il t'attrape. Il sait que c'est là qu'il peut t'avoir. Il t'attrape. Donc il y a des situations que Dieu crée pour nous conduire, n'est-ce pas, à des hauteurs. Parce que quand Dieu va vouloir te livrer, il va créer une situation. Donc toute situation qui nous arrive sur le chemin de la destinée, on paraît ça à la difficulté, mais ça fait partie de ce qu'on appelle l'expérience de vie. Sauf ça, c'est l'expérience de vie. Alors, pour atteindre la destinée, il y a des difficultés que tu vas rencontrer avant d'atteindre la destinée. Et cette destinée-là, tu auras appris beaucoup de choses par rapport à tout ce que tu as vécu. On dit amen. Amen. C'est pour ça que par moment, tout ce que Dieu fait est bon. Par moment, on se dit, oh, c'est arrivé, qu'est-ce que j'en dis comme leçon. Oh, c'est arrivé. C'est pour ça qu'il ne faut jamais vous agiter quand quelque chose arrive. Il y a toujours un message. Quand quelque chose arrive, ne soyez pas agité. Allez prier. C'est une occasion pour vous de vous retirer. Voilà. C'est une occasion pour vous de vous retirer. Quand quelque chose vous arrive, que vous ne comprenez pas ça et là, partout à la fois, ça vous arrive. Attends, vous ne parlez plus aux hommes. Non! Parce que ce n'est pas l'homme qui est votre propriétaire. Le propriétaire de l'homme, c'est Dieu. C'est Dieu qui est le maître de votre destinée. Alors vous vous retirez pour aller parler avec lui. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi tout ça? Ce n'est pas la peine d'aller discuter avec un homme. Un homme n'aura jamais, il va te condamner, il va te blâmer. Il faut aller parler avec Dieu. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que nous avons fait dans un moment difficile qu'on traversait. Nous sommes retirés par la grâce de Dieu. Allez invoquer le nom du Seigneur, prier et demander au Seigneur beaucoup de choses. Et Dieu m'a parlé. Amen. Amen. Alléluia. Quand je suis sorti du jeûne, la première action que j'ai faite, c'est demander pardon aux gens. Parce que j'ai demandé pardon aux gens. Pourquoi? Parce que je suis un être humain. J'ai dû commettre des erreurs dans mon ministère. Parce que je suis homme. Je suis homme de Dieu. Homme de Dieu. Donc l'aspect homme a dû commettre des erreurs. Alors de parler avec Dieu, j'ai commis des erreurs. Dans le ministère. Donc on demande pardon à Dieu et puis on demande aussi pardon aux gens qu'on a offensés. Celui qui prend son même blabla, ça se l'engage de lui. Amen. Dieu te révèle les choses, donc tu en penses. Alors quand tu as compris, on ne vient pas présenter à lui pardon. On vient présenter, parce qu'on a compris. On a compris qu'à un moment donné du ministère, on peut commettre des erreurs. Mais les erreurs nous servent à s'améliorer. Alléluia. Voilà. Personne n'est parfait sur cette terre. Amen. Celui qui dit qu'il est parfait, qu'il est son nom. La preuve, c'est que dans Jean le chapitre 8, Jean le chapitre 8, le verset 1 à 17. Pasteur. Jean le chapitre 8, le verset 1 à 17. Est-ce qu'on me comprend? On m'écoute un peu. Amen. On m'écoute un peu. C'est la quatrième évangile de Jean. Le chapitre 8, le verset 1 à 17. Je peux comprendre beaucoup de choses, s'il vous plaît. Verset 1 à 17. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Jésus était dans le temple, il allait prêcher, et voici des gens qui pensent qu'ils sont justes, ils sont bien. On attrape une femme, puis en fangant d'adultère. Ça veut dire qu'elle a couché avec le mari de quelqu'un, c'est pas ça? Oui. N'est-ce pas? Amen. C'est pas ça? Amen. Donc on le tire. On la tire plutôt. C'est bon, je continue. Oui. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise
en flagrant délit d'adultère. Ils ont dit, maître, maître, Seigneur, cette femme, on l'a récupérée en train de faire l'adultère. Mais où est le monsieur? Adultère en faisant seul, où est-ce qu'on faisait boire, où on faisait lire? On faisait quoi? Vous ne pouvez pas parler? C'est pas un chien, on fait adulter. Où est le décès? Peut-être que c'est. Ils ont attrapé la dame. Donc on dit, bon, elle a commis l'adultère, c'est un péché, il faut. Elle est condamnable. Allons-y. Moïse, dans la loi. Ils ont maintenant expliqué. Comme ils savent, connaissent les choses, ils vont expliquer à Dieu. C'est-à-dire pour amener Jésus à comprendre qu'il faut qu'on la détruise. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Il dit non, Moïse dit, dans la loi, il faut qu'on la lapide, il faut qu'on la détruise, cette femme. Toi donc, que dis-tu? Toi, tu dis quoi? Alléluia! Amen! C'est là qu'on va comprendre la grâce qui est en Jésus. On dit toi-même, tu dis quoi? Parce que Moïse, le temps de Moïse est passé. Maintenant, toi, tu es maître. Toi, tu dis quoi? La voici là. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Est-ce que vous avez compris? On dit qu'il disait ça pour l'éprouver, c'est-à-dire pour voir le cœur de Jésus. Pour pouvoir l'accuser. Pour l'accuser, c'est-à-dire si Jésus dit tuer, ils vont dire, ah, donc toi, tu dis tu es amour là. Avec toi, on va tuer les gens. Donc c'est pour ça que dans les systèmes, ne vous mettez jamais dans les systèmes avec les gens. Parce qu'il y a des gens, leur système, ils ont quelque chose derrière. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, ne vous mettez pas dedans. Mais il y a des gens qui ont des conflits personnels avec les gens et qui viennent associer tout le monde pour venir régler leurs problèmes personnels. Allons-y. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. On dit Jésus s'étant abaissé, il écrivait avec le doigt sur la terre. L'homme est constitué de quoi? C'est pas la terre? Terre. La terre, il va prendre la terre pour vous parler. C'est la terre Dieu a pris pour nous fabriquer nous tous. Donc celui qui n'est pas terre, là, ça ne sera pas conseillé. Donc Jésus est en train d'écrire sur la terre. C'est trop puissant. Amen. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit. Il a fini ses relevés, il leur a dit. Que celui de vous qui est sans péché jette. Celui qui n'a jamais péché. Jette le premier, la première pierre. Il n'a pas fait. Je vous regarde. Et c'est un nouveau baiser. Et c'est un nouveau baiser. Il a donné le mot d'homme, il dit c'est fini. Celui qui dit, il est libre. Celui qui n'a jamais péché, qui n'a jamais trompé son mari, qui n'a jamais trompé sa femme, qui n'a jamais volé, qui n'a jamais menti, qui n'a jamais fait, qui n'a jamais fait de bêtises, qui n'a jamais péché. Il n'a pas fait. Il écrivait sur la terre. Oui. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience. Très bien, accusés par leur conscience. Comment j'ai compris que pendant que Jésus-Christ est en train d'écrire, Jésus-Christ est en train de leur rappeler leur péché. C'est-à-dire que l'écriture de Jésus sur la terre, c'est dans leur conscience. Dieu est en train de parler à leur conscience. C'est pour ça que par moment quand tu veux accuser quelqu'un, veut vouloir nuire à la vie de quelqu'un par rapport à une situation, toi-même, qui es-tu? Amen. Qui es-tu pour venir juger autrui? Amen. Qui es-tu? C'est ce que Jésus voulait dire. Mais toi, tu es qui? Tu es maître, tu peux pas être maître, tu es un homme. C'est pas toi qui gères la vie humaine, c'est pas vous qui gérez la vie humaine. Nous sommes trop constitués des chefs. Je n'encourage pas le péché. Non. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. C'est ce que je veux dire. Pour vous dire, s'il est important d'aider quelqu'un, aidez-le. S'il faudrait aider une personne, aider cette personne que de la blâmer, que de la condamner. Amen. Parce que toi aussi tu pèches. La personne peut se relever. Et puis toi tu peux te retrouver dans les mêmes choses. C'est ça. Comme tu as blâmé cette personne, tu n'auras jamais quelqu'un pour t'aider. Amen. Parce qu'à César, c'est qui est à César. Amen. Quand ils entendirent cela accusé par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Chacun dit, oh! Depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Moi-même là, ah! Hier là, c'est qui est fait pour tout le monde là.
Ce qu'il a fait Macron là, ce qu'il a fait Oswald, ce qu'il a fait Mawa, ce qu'il a fait Mawa hier, ce qu'il a fait Augustin là, ah, on m'a pas attrapé mais ah. Quand il voit, il dit, ah, je l'ai compris. Chacun s'est retiré. Tu es qui pour juger? Tu es qui pour blâmer? Tu es qui? Tu es qui? On est accusé par leur confiance. Ils ont commencé à se retirer un an. Un. On y va? Ils se retiraient un an, un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme. Ça veut dire que même les enfants étaient dedans. Toi, tu vas voir son assaut de ta maman. Tu viens accuser quelqu'un. Le petit mec peut-être vient là, mais il prend Babidu là, il vole. Il est venu encore dans la fête de l'amputer, il est là. Le plus âgé jusqu'au plus petit. Il a dit comment tout le monde voulait forcément blâmer le gars. Alors, s'étant relevé, Jésus. Jésus s'étant relevé. Et ne voyant plus. Il a regardé. Il dit ah, la femme. Ils sont partis. Jésus lui dit. Ils étaient chauds, ils sont partis. Chacun a chanté son caillou. Ils sont partis. Vous voyez? Pendant que tu entends d'accuser quelqu'un, toi-même, là, ce que tu fais, c'est pire. Allons-y. D'accord. Jésus lui dit. Jésus dit à la femme. Femme, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Où ils sont? Ne vous mettez pas dans des procès inutiles, dans les choses qui vont vous mettre en retard, vont vous compromettre demain. Parce que quelqu'un qui vous accuse aujourd'hui, vous voulez lui aujourd'hui, peut être la personne dont vous aurez besoin demain. Amen. On ne change jamais l'avenir de chacun d'entre nous. Amen. Amen. Et les gens qu'on a sous-estimés, puis m'a dit, ah. Tu ne veux plus regarder, tu fais ma chérie. Parce que toi-même, tu connais ce que ta conscience va te dire. C'est pour ça que frère, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Amen. Alors, Jésus dit, où sont ceux qui t'accusaient? Allons-y. Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Qui était plus saint que Jésus? Jésus est né d'une vierge. Il n'a pas péché non plus. Jamais. Il est saint. Mais il est venu sauver les pécheurs. Il dit moi-même, je ne vous condamne pas non plus. Bah. Parce qu'ils ont compris qu'en venant condamner la dame, c'était les plus grands pécheurs. Vous voulez condamner, détruire. Oh, vous faites quoi? Tu drogues, tu fumes, tu es dans les conneries. Et c'est toi qui viens. En tant que qui? Juge de qui? Tu es qui? Tu es Dieu pour venir juger un être humain. Et comment ça? Tu prends la place de Dieu. Comment un homme peut prendre la place de Dieu pour juger un être humain? Comment vous comprenez ça? Est-ce que toi tu dois régler les choses de Dieu? Est-ce que Dieu ne veut pas régler sa chose? Alors Jésus dit quoi? Va, va, c'est très bien. Va et ne prêche plus. C'est ce qui est plus important. C'est de ne plus refaire ce qu'on a fait. Il dit va et ne prêche plus. Amen. C'est ce qui est important. C'est un nouveau départ avec Dieu qui est plus important. Amen. Est-ce que tu m'as bien saisi? Amen. C'est un nouveau départ avec Dieu. Amen. Même si ta conscience te accusait, demande à Dieu. Une fois que tu as fini de te répandre devant le Seigneur, ne te répare plus, ne te souviens plus de ça parce que Dieu t'a pardonné. Amen. La seule chose que Dieu aimerait maintenant, c'est que tu puisses aller de l'envers avec lui en ne retournant plus dans les mêmes erreurs. Amen. Va et ne pêche plus. Comprenez? Il dit va et ne pêche plus. Ça veut dire que Dieu ne cautionne pas le péché. Il aime le péché. Il aime le péché, mais il ne cautionne pas le péché. Va. Je pense que cette femme, elle s'est due, elle s'est répandue. Mais imaginez, si on l'avait tuée, elle n'aurait jamais bénéficié de la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. La grâce est un don mérité. J'ai dit celui qui a inauguré. Vous savez qui a inauguré le ciel? Vous connaissez? Hein? Non, 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 non. Lui, je ne connais pas possible. C'est le brigand à la bouche de Jésus.
C'est lui qui a inauguré paradis. Il y a toujours quelqu'un pour inaugurer. Quand on fait cimetière, il y en a un qui doit inaugurer. On dit là, le papa de lui, là, c'est lui qui a inauguré nos cimetières. Mais celui qui a inauguré le ciel, c'est quelque chose. C'est pas juste. Hein? Jésus dit, je m'en vais. Il dit, aujourd'hui, il dit Jésus, pardon. Il faut que je parte au paradis avec lui. Il dit, aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. C'est lui qui a inauguré le ciel. C'est un pécheur. C'est pas l'ancage de Michael, mais Élie, le Moïse. C'est pas eux qui ont inauguré le ciel. C'est le pécheur qui a inauguré le ciel. Amen. Amen. Donc, aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, que nous sommes confrontés à une situation dans laquelle Dieu nous dit, répands-toi, répands-nous et suivons le chemin de Dieu. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Parce qu'il a dit dans sa parole, c'est ça que quand vous ne pardonnez pas aux hommes, il sera difficile à Dieu de vous pardonner. Quand vous faites la prière, Matthieu, il a dit, pardonne-nous nos fautes, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ah oui? Nous offensons chaque jour Dieu. De par nos pensées, de par nos paroles. Pourquoi l'homme est méchant? Si méchant, il demande pardon, quand Dieu lui pardonne, mais il n'aime pas pardonner à son prochain. Pour l'homme, il faut qu'on juge. Il faut que. Et puis c'est une narine, il casse une narine, comme un fumeur de Guigui. Tu n'as jamais fumé Guigui, mais comme tu t'énerves, ton nez là, comme un fumeur de Guigui, ça s'écarte. On a des changements de traits. Mais pourquoi? Il y a des gens même, tu vois sur Facebook, les fascistes, ils cassent les verres à la maison. Parce que tu es heureux. C'est ça, c'est le rythme. Amen. Amen. Tu dis là, non, moi j'ai pardon, parce que tu vas dormir. Pourtant, toi, tu pêches, Dieu te pardonne. Aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, que nous devons pardonner nos prochains, pardonnons nos prochains leurs fautes. Pardonnons nos prochains. Celui qui ne pardonne pas, il n'aura jamais les offenses de Dieu. Amen. On dit qu'à tous son péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Dieu fait la grâce à qui veut. Qui est juste ici? Qui? Si on écartait le cœur de chacun ou l'esprit de chacun, on allait fuir, on allait prendre chacun du coup. Chacun va partir. Ah, c'est comme ça il pense. Ah, c'est ce qu'il y a dans son cœur. Notre cœur, chaque jour ça pêche. Souvent ton pied pêche pas ta main, mais ton cœur pêche. Quand tu regardes, ça pêche. Or, la pensée vaut mieux que l'acte. La pensée vaut l'acte. Jésus dit, celui qui regarde une femme et la convoite dans son cœur, et la commet l'adultère. Hein? Donc Jésus n'a pas fait comment? Regarde marcher comme ça. Vous comprenez? Il dit celui qui voit une femme, et puis déjà il a convoite de l'âme dans le cœur. C'est-à-dire quand tu vois un monde, et puis déjà tu ça veut dire toi, tu as déjà péché un voleur. Vous voyez? Que Dieu nous aide. Amen. Je n'encourage pas le péché. J'ai dit aussi longtemps que nous sommes sur la terre, si nous pouvons aider notre frère qui a des difficultés, faites-le. Amen. Parce que la vie, si tu as porté l'énergie avant d'aider quelqu'un, Dieu t'aidera demain. Amen. Oui, la roue tourne. Au moment où tu dis non, le Dieu va te rappeler ça. Ah, au moment où la personne est dans des difficultés, c'est toi qui faisais le procès. L'homme est qui même? Souvent je ne rêvais plus. Si vous voulez faire ça, au moins 2 minutes, quand vous levez dans le lit, restez dans le lit, 2 minutes, et réfléchissez où vous étiez. C'est-à-dire où ton âme était. Nul, t'as dit que tu ne sais même pas où c'est parti. Et tu te réveilles un coup. C'est la grâce de Dieu. Amen. Et toi, tu fais des projets. Mais qui t'a dit ça va aboutir? Non, demain. Mais c'est Dieu qui fait la grâce. C'est Dieu qui fait la grâce. Donc, si Dieu te donne cette grâce, il faut l'utiliser pour aider les gens. Amen. L'argent, leur énergie. Il met même l'argent. Il peut même toute une fortune pour aller nuire à quelqu'un. Mais c'est une malédiction. Nuire à la vie de quelqu'un, c'est une malédiction. Amen. 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 J'ai appris beaucoup de choses. Tu m'as insulté. Je suis pas obligé de t'insulter. Non. Parce que j'ai reçu mon éducation. Mon éducation ne permet pas de t'insulter. Si je t'insulte, c'est que j'ai même niveau que toi. Et puis encore, t'insulter, c'est que je suis en train d'insulter l'image de Dieu. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Amen. Je vois Dieu en ta présence. Je vois Dieu en toi, avec toi. Ah oui? Donc avant de réfléchir, regardez l'être humain comme l'être fait par Dieu. Quand vous l'injurez, vous mettez Dieu, c'est-à-dire vous dites à Dieu, voici la paix. Vous lui dites, Seigneur, je sais, mais
Mais elle, c'est le juif. Ou elle, ça va, ou cette femme. Jésus n'est pas venu parce qu'il voulait plaisanter. Il est venu par amour. S'il voulait regarder nos gnéni, gnéni, gnéni. Vous savez ce qu'il appelle gnéni, non? C'est une connerie. Péché à son grand frère, encore une connerie. Toi seul, ton gnéni, tu fais la connerie. Chacun connaît son gnéni. On a l'église, on est tout. On a les visages des anges. Mon frère, mon frère, ma soeur. Oh, c'est la comédie en fait. C'est comédie. Toi seul, celui qui fait la raison dit vrai, vrai, chrétien, ou tu connais Dieu. On se connaît. C'est pour ça que Dieu souvent il nous regarde. Mais nous, il nous fait la grâce. Amen. Amen. Il nous fait la grâce. J'étais encore jeune dans la foi. Il y a eu un réveil spirituel. Il y a un monsieur, un ancien de l'église. J'ai parlé. On a eu peur, on dit, il va parler, il faut qu'on l'amène dans le bureau. Parce que le frère, ça lui comme le regard. Ancien frère. Ça y est, tu dis c'est lui qui est l'ange Gabriel. C'est lui l'ange qui est à côté de Dieu là. C'est lui. Il est bien. Et tout ça. Bien. C'est les petits trucs. Il fait les trucs. On a prié pour le réveil spirituel. Le réveil est venu dans la salle. Hein? Chacun parle avant, chacun tombe, chacun confesse. Ouh, j'ai volé dessus de telle personne. J'ai fait ça. Ouh, j'ai fait. Maintenant, Antoine lui veut parler, il veut parler. Il va parler. Il va parler. Parce que lui, c'est un modèle. On le prend, on l'envoie dans le bureau. On parle un peu, on parle dans l'église aux gens. Il veut parler. Là, il dit, je suis mauvais. Lui, il en a compris. Parle. Pour que je suis. C'est lui qui va dire, là, il va comprendre. Il dit que Dieu me pardonne. Mais si Dieu me pardonne, oui, je pardonne tous mes péchés. Parle. Donc, on passe là-dessus, là. Mais c'est plus de Dieu. Lui, son travail, la nuit, son voisin a des poules. Et lui, il est là la clôture. Il vient, il prend les poules, les œufs de la poule, les poules, il va, il fait bouillir ça. Il attend, ça refroidit. Et puis il vient, il met ça en bas les poules. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est les faut dire grand frère, chancelier. Donc ça y est, la poule est là sur les œufs. Au lieu de faire 21 jours, elle fait 9 mois. Comme ils font en 5. Et puis le monsieur, il dit, mes poulets, ils étaient tués. Donc lui, il avait le poulet, il dit, nous-mêmes on a regardé notre jour là. On dit, on va au toilette, on a eu un peu. Parce que nous-mêmes, on s'est dit, même Satan peut avoir cette pensée. C'est-à-dire lui, Satan en même, est-ce qu'il peut avoir la pensée que le monsieur l'a eu? C'est-à-dire, à quoi il préparait œuf? Tu ne dors pas. Tu sors le produit. Tu jambes. Et puis tu prends les yeux. La bouffe est. Tu mets dans ça. Tu mets dans ça. À 1h du matin, comme un vrai sorcier du village. Et tu sors la clôture pour là. Et tu reviens. Tu viens le faire bouillir, tu mets dans l'eau froide. Tout ça. Il y a un méchant comme ça. Il est responsable dans l'église. Donc quand il a fini, on allait tous pisser. Chacun a dit, faut qu'on le laisse une minute, parce que nous-mêmes, on est soufflé. On est dépassé. Parce qu'on ne sait pas comment il faut. Quelle exhortation on va faire? Il prêche à l'église. Il exhorte les gens. Ne prêchez pas. Tout ça. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Donc nous-mêmes, on va réfléchir. Ah, Seigneur, aide-moi. Hein? Toi-même là. Celui qui a dans son village, attention à monter. Il est sérieux, il est tout le monde. Chacun d'entre nous, si Dieu veut nous montrer notre état et voulait nous juger en fonction de ça, personne ne serait dans la salle. Je disais à un frère, le mec, je parlais avec un frère, il dit c'est vrai, c'est son frère, c'est votre maman, c'est vrai, c'est votre truc. Mais aujourd'hui, il a confessé. Pardonnez votre maman.
Parce que Dieu lui-même ne la condamne pas. Si Dieu voulait la tuer, elle ne serait même pas ici. Elle ne serait même pas venue ici. D'aller la tuer. Nous, on est en même temps, on fait le procès, on met le bouc, on fait, on arrête, on fait. C'est pour ça que quand frère, vous trouvez un frère dans une situation, aide-le. Aide-le que de le détruire. Aide-le. Vous devez le faire sortir de là. Parce que Dieu t'en prend compte un jour. Et le jour où David a rencontré Jonathan, Jonathan dit, son âme est mal David. Il a fait une alliance avec David. C'est Jonathan qui devait prendre le trône de Saül. Il a dit non, il a fait une alliance. Il pouvait livrer David à son père, Saül. Non, il a protégé David. À cause de lui, Jonathan, à cause de lui, son fils Mephibosheth, à l'Odéba, était sauvé. Il est venu manger à Jérusalem à la table du roi. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un Alléluia. Dans la maison de Saül, à cause de Jonathan, a dit, parce qu'il a envie de faire du bien. Le mal se paye. Tout mal se paye. Même le bien qu'on fait sur la terre, ce que l'homme sert, il le moissonne. Il y a les gens qui ont vie en retard. Et le seul problème de nous, les Africains, c'est le retard. La tiédeur dans nos affaires. Parce que pour, on est expert en nuisance. Ça veut dire que quand il y a quelque chose, ça nous dit, mais quand il y a affaire, on est content de ça. On va dormir et puis on met nos boissons et puis on cherche à nuire. Comment tu vas t'exaucer? Bouche a fini d'insulter les gens. Tu vas venir dire Seigneur. C'est comme des. C'est comme les goûts. Quand tu dis Seigneur, le Seigneur, oh! Regarde, c'est quel regard? Et c'est pour vous dire, aussi longtemps que nous vivons sur cette terre, si nous devons aider les gens, aidons-les. Amen. 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 Il n'est pas fait. Non. Si tu as besoin de demander excuse, demande pardon. Si le gars il ne prend pas ça, c'est que lui-même est dangereux. Tu vas demander pardon à quelqu'un que tu as offensé. Il dit non. Mais qu'est-ce qu'il veut? Quel est le mot qui est plus grand que pardon? Jésus lui-même, la parole, a dit pardon, mais quand il ne sait pas. Le plus gros mot de Jésus, c'est pardon là. Même ceux qui l'ont tué. Celui-même qui pouvait tuer les gens, c'est Jésus. Il a été trahi. Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Mais en même temps, il pardonne les gens. Toi, tu es qui pour dire non, tu ne pardonnes pas? Non, 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 non. Ah, le son que tu as là, tu es mal de ça. Demain, quand tu seras malade, moi, non, priez Dieu. Mais Dieu va t'écouter. Le jour où tu t'es dans un problème, non, je veux que Dieu t'aide. Dieu ne t'aidera pas. Parce que le manque de pardon empêche Dieu d'agir dans la vie de l'individu. C'est pour ça que je dis, Seigneur, je ne veux même pas que dans mon cœur il y ait de la haine. Amen. Amen. Celui qui a de la haine, c'est un sorcier. Celui qui garde la rancune, il n'aime plus que Lucifer. En vouloir la vie d'un être humain, ça n'a rien de Dieu. Tu vis par la volonté de Dieu. Chacun d'entre nous vit parce que Dieu a voulu qu'il soit sur cette terre. Ce n'est pas le désir des grâces que je sois sur la terre, c'est le désir de Dieu. C'est lui qui a voulu. Donc en vouloir la vie d'un être humain, c'est comme tu es en train d'attaquer Dieu lui-même en personne. Amen. On peut commettre des erreurs dans le processus en allant, nous sommes des êtres humains. Et puis la personne que tu condamnes aujourd'hui peut être la personne dont tu auras besoin demain. Amen. 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 C'est ça que j'ai écouté les enfants. Il y a des enfants que je prends aujourd'hui à la fondation. Dieu merci. Ces enfants aujourd'hui, ils ont reçu leur examen. Merci beaucoup pour vos prières, la fondation. J'ai prié, je l'ai dit, je veux aider les enfants aujourd'hui. Amen. Je veux. C'est parce qu'il y a des millions. Mais non. Je veux apporter tout cas demain. Mes enfants sont pour bénéficier de cette grâce. Amen. Les enfants, je ne connais même pas leurs parents. Les mamans. J'ai nourri. J'arrive à scolariser. Mais reste qu'on a fait. Au niveau de la fondation, on les a simplement poussés. Il reste qu'ils sont en train de faire comme les mêmes. Les gens ne croyaient même pas. Premier des classes. Avec des moyens. Parce qu'on a tout mis. Et oh, la société avait rejeté. Il y a un qui dit, lui là, il peut venir quelqu'un qui dit lui. Lui là. Ah, papa, non. Vous voyez, je dis il est délivré. Il dit oui. Papa, il peut délivrer. Il est délivré.
délivré. Je dis, mais pour là, tu l'as envoyé pourquoi? Pour que Dieu joue à lui. Tu dis, il n'a qu'à venir délivrer, il est délivré. Donc Dieu, il n'a qu'à jouer à quoi? L'homme t'a déjà condamné dans la tête. Je l'ai relevé, je l'ai mis dans la fondation. Il est bien. On l'a nourri de bonnes paroles. On lui a dit, tu es champion. Voici l'occasion de te présenter à toi. Vas-y, ne complexe pas. Tu as peur de ton destin. Aidez les gens. Pourtant, lui, son histoire, il suce les autres. Il faisait revenir les cœurs, son gré, il a tout mangé, les cuisses, il mangeait les têtes, il tirait la langue des jambes. C'est un gars comme ça, on a récupéré. Il dit, mais tu manges plus, il y a un pour les saisons de la nuit, là. C'est pas trop doux. Il y a poisson. Et puis on a mis dans des conditions. Si on avait regardé sa vie, c'est ça que par moment, ne soyez pas esclaves de votre passé. Mettez votre passé derrière vous. Si vous voulez avancer dans la vie, si vous tenez compte des erreurs passées, et que vous vivez encore dans votre passé, vous n'arriverez jamais à faire votre vie. Amen. Demain, hier et hier. En français, il y a mis cette passé-là, puis il n'y a jamais réveillé. C'est aujourd'hui qui compte, puis demain. Qu'est-ce que tu fais maintenant? La façon, comment les gens me regardent bizarre? Et toi, tu vis par rapport au regard des gens. Il y a quelqu'un qui dit à Jésus, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agie. Ton problème, c'est les gens. Non, personne ne peut aider. L'homme, vous voyez l'homme aujourd'hui, l'homme est méchant et ingrat. J'ai toujours dit aujourd'hui, vos ennemis d'aujourd'hui sont les gens à qui vous avez fait le bien hier. Regardez bien. Regardez très bien. Si à qui vous avez fait le bien hier, ce sont ceux qui sont devenus vos ennemis d'aujourd'hui. Ils n'ont même pas tenu compte de ce coup dans la fête. Jonathan, Saül avait pour enfant Jonathan, qui était en conflit permanent avec David. Et c'est Jonathan qui devait prendre le trône. Il n'a pas regardé à son trône, il n'a pas regardé à ses bienfaits. Non, il a regardé à la grâce de lui qui décide David. Il a protégé David. Frère, l'ingratitude, c'est la plus dangereuse chose. Amen. Ne soyez jamais ingrat. Soyez toujours reconnaissant. Amen. Faites toujours du bien aux gens. C'est pour ça que j'ai dit, ne tenez pas compte. Ah, celui qui m'a fait ça. C'est facile. Si tu le vois, il devient salueur. Il t'a aidé. Il t'a aidé à comprendre. Au départ, tu ne comprenais pas. Maintenant, tes yeux sont écartés. Quand quelque chose vous dit, ah, quel est le bruit là? Il y a des choses, dans les situations, quand ça t'arrive, ça te rend sage. Ça te rend de l'intelligence. Ça t'ouvre les yeux. Ça te sort que Dieu te fait passer par les expériences de la vie. Mettez toujours derrière ce que vous allez. Le passé reste le passé. Non, moi-même, les gens quand ils me voient, ils me regardent pas. Je vois quand ils marchent, ils regardent. Personne ne regarde. Pourquoi tu veux qu'on te regarde? Tu es vidéo ou bien? Tu es télévision ou bien? À te regarder. Pourquoi tu veux qu'on te regarde? Je suis souvent étonné. Pourquoi vous voulez qu'on vous regarde? On voit la télévision, on ne va pas te regarder. Tu es venu télévision, prends un regard. En tant que réalité, parce qu'il marche. Quel mannequin, quel mise, monde. Moi, même ma maman, elle n'est pas encore. Elle a fait façon, façon, façon. Elle n'est plus dans le foyer. Mais comment tu penses que ce qui arrive à ta maman est forcément ce qui t'arrive? Ceux qui sont en Jésus sont une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Amen. Voilà que toutes choses sont devenues nouvelles. Allez-y sur le nouveau chemin de votre destinée. Amen. Laissez le passé derrière vous. Amen. Si les gens continuent de vous blâmer, laissez ça derrière vous. Amen. Ne marchez pas dans votre passé. Regardez Dieu. Amen. C'est que Dieu prend le cœur avec vous. Amen. Maintenant, c'est ce qui est plus important. Amen. C'est ce que Dieu prend le cœur avec vous maintenant. C'est ce qui est plus important que tout. Ne regardez pas ce que les gens disent. Si vous écoutez tout ce, la négativité, vous n'allez jamais avancer. C'est ça que Dieu dit dans le livre d'Ésaïe 54, à partir du verset 14. Il dit, bannis la frayeur. Le diable vient créer en toi la frayeur pour dire, toi tu es un vaurien.
toi tu n'es rien, tu n'es qu'un pauvre type. Et si vous gardez ça dans votre tête, il aura gagné sur vous. Parce que la parole est une séance. N'assemblez jamais les mauvaises paroles sur vous. Tu ne peux pas l'empêcher de parler, mais n'accepte pas ça dans ton cerveau. C'est ce qu'il dit, mais Dieu t'a transformé. C'est ce qu'il dit, mais tu n'es plus la même personne. Tu es une nouvelle personne dans le Seigneur. Parce que Dieu a su régler ton problème. Je dis amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Nous sommes tous des vainqueurs. Amen. Nous sommes des vainqueurs. Amen. Je dis amen. Nous sommes des vainqueurs. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des vainqueurs. Amen. Est-ce qu'on acclame Jésus? Amen. Alléluia. Je vous dis, être esclave de vous. De votre passé, vous mettez la main de Dieu en doute. C'est ce que Dieu veut faire avec toi de mettre l'intérêt maintenant. Vois de la même manière que Dieu. Amen. Non, moi-même, mon ventre là, depuis ça fait brou, brou, brou. Et puis depuis, je transpire seulement. Est-ce que j'ai fait un enfant? Mais elle dit, comme elle est comédienne. Quand Dieu voulait bénir Abraham, il a dit, regarde les étoiles du ciel. Si tu peux les compter, ça veut dire quoi? Toi-même, tu dois avoir ta propre vision du demain. Amen. Il dit, tu as compté? Non. Il dit, telle sera ta descendance. Il avait déjà une vision du futur. Tu as quoi de toi dans le futur? Tu traverses les moments difficiles. Ça, c'est aujourd'hui. Obéir les choses, mets ça comme du passé. Quand tu pries, chante ta manière de prier. Amen. Dis à Dieu merci parce que tu m'as transformé. Amen. Merci parce que tu m'as porté la bénédiction. Amen. Merci parce que tu m'as donné la victoire sur mes ennemis. Amen. Ne regardez pas vos ennemis, regardez-les en bon. Des gens qui sont là pour vous aider à avancer. Amen. Si vous n'avez pas d'ennemis, il y a des choses que vous allez continuer de faire. Quand vous regardez vos ennemis, vous faites attention à beaucoup de choses. Amen. C'est comme la politique. Le candidat des adversaires, j'aime un peu cette expression, les opposants. Ouais, on dit ceux qui s'opposent. J'ai jamais un opposant qui va toujours critiquer en bon. Dans la politique, on dit quand il a fait pont, mais pont là, c'est ce fromage. On ne mange pas. Il y a un kéké, hein, puis du pop. Pourquoi nous ne pas faire un kéké, hein, parce qu'on va manger ça. On passe une pont, c'est joli, mais on ne mange pas. L'homme a toujours quelque chose à dire. Donc n'écoute pas. Prends ce qui est bon. Amen. Quand quelqu'un parle, prends ce qui est bon. Amen. Ah, ne fais pas les ennemis, prends ce qui est bon. Laisse-le s'acheter. Ne vous cédez pas la frayeur. Qui a le dernier mot? C'est qui a le dernier mot? Ce que Dieu décide, ça sera bon pour toi. Amen. Non, pour l'heure, ça c'est pas bien, mais demain sera meilleur pour toi. Amen. La décision de Dieu par rapport à Joseph, mais c'était meilleur pour Joseph. C'est quelle histoire qu'il n'a jamais fait. Il y a toute une histoire et une fin. Amen. Toute une histoire et une fin. Amen. Donc l'histoire prendra un fait. Dis amen. Amen. Et l'histoire aura une fin glorieuse. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc l'histoire aura une fin glorieuse. Dans le nom de Jésus. Nous aimons tous amen. On va prier. Remercier Dieu pour sa grâce qui m'a dit. Remercier Dieu pour ce qu'il fait pour toi. Remercier Dieu pour sa grâce abondante sur ta vie. Nous prions ensemble, Seigneur. J'aimerais que tout le monde approche ici, Jéné. Tout le monde approche. Nous allons faire une alliance avec Dieu. Pour dire désormais, nous partons un nouveau départ avec Dieu. Nous répartons un nouveau départ. Avec la fécondité, la guérison, le miracle avec Dieu, c'est un nouveau départ. Il est le feu, 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 il est le feu
prière. Commence à prier. Dis à Dieu, tu crois à l'esprit, tu crois qu'on ira, tu crois que la situation que tu as en train de aujourd'hui, c'est la meilleure démarche. Tu crois qu'il interviendra dans ta vie, tu crois qu'il transformera ta vie, tu crois que quelque chose de bon viendra dans ta vie. Tu me dis, tu me fais penser négativement. J'avais un foi à ces actions. Essayez de démarrer 10 sujets de prière.
D'accord. Le numéro, il a été sujet de prière pour commencer déjà bien à écrire. Et le jeune commence lundi et ça finit samedi. Voilà. Et quand vous finissez, le samedi soir, dimanche en venant à l'église ici, ceux qui peuvent venir, nous avons déchiré l'affaire qui dit c'est fini. Amen. C'est fini. Et vous allez voir le miracle authentique de Dieu dans votre vie. Amen. Et vous allez vous chanter à vous. Frères et sœurs, nous allons donner la deuxième offrande.